Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo rapidement tournée après le passage dans la nouvelle Snapshot, la 24W12A, et je suis parti donc un petit peu à l'écart du village ici, parce que en tentant de collecter voilà, quelques ours pendant la nuit, eh bien j'ai constaté qu'il y avait des lumières de ce côté-ci. Et ces lumières, ce sont celles de ce nouveau village. Nouveau village qui se trouve, qui plus est, dans un biome complètement différent et où potentiellement il pourrait y avoir une nouvelle variété de loups. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai cru tout à l'heure observer le passage. Vous l'avez entendu, le passage d'un nouveau loup. Le voilà. Alors, veux-tu devenir mon ami? Oh punaise, non. J'ai la haine. Bon, ben, ça commence mal. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo avec mon premier nouvel ami. Et malheureusement, il ne veut pas. Il ne veut pas devenir mon ami. Du moins, pas tout de suite. Bon. Alors, dans les informations qu'on pouvait récupérer sur l'apparition de cette nouvelle espèce de loup, on découvrait qu'effectivement, il apparaissait seul, il spawnait tout seul, et ça a l'air d'être bien le cas ici. Alors, on va le laisser là, et j'espère pouvoir revenir pour le retrouver lui, mais avec à nouveau des os en quantité. 5, ça n'a pas suffi, malheureusement, pour m'en faire un ami. Allez, seconde tentative pour aller amadouer ce loup sauvage. J'ai pas fait un plein énorme d'os, mais j'en ai encore 5 nouveaux. Et puis j'ai un petit compagnon à 4 pattes qui va montrer au loup que je suis très gentil avec les animaux. Reste à espérer que le loup... Oui, il est toujours là. Yes! Ça y est, il est devenu mon ami. Et il y en a un deuxième qui devient mon ami aussi. Mais c'est merveilleux! Oh, génial! Oh, bah je suis trop content. Bon, bah c'est parti pour l'élevage. Oh là là, trop bien. Mais j'en avais vu qu'un tout à l'heure, à mon premier passage. Et me voici avec deux loups. C'est génial. Bon, ben on va leur trouver un petit collier bien à eux. Et très content d'avoir donc cette... j'allais dire variété, mais c'est pas une variété. Allez, on va parler de race, hein, parce qu'on est chez les animaux et qu'on a le droit d'utiliser ce terme-là. Cette race de loups... qui est devenu donc loup apprivoisé et qui vont pouvoir maintenant m'accompagner et surtout se reproduire de manière à pouvoir créer une petite meute qui m'aidera par la suite dans mes aventures. Génial. Allez, on va passer par ici pour le retour. Ok, donc le village là-bas, j'ai été faire un petit tour déjà, il est vraiment pas extraordinaire. Il est vraiment mal situé, mais l'intérêt, oh, ça va être pareil qu'ici, c'est d'avoir ce biome un peu spécifique qui va peut-être me permettre de trouver une autre variété, une autre espèce, ah voilà, espèce, c'est plus joli, une autre espèce de loup, oh punaise. Là maintenant, ce qu'il me faudrait, ce serait de trouver un filon de fer. Parce que ça commence à manquer. Et que pour l'instant, j'ai pas grand chose. Bon, ce portail, il est juste magnifique. Avec une seule obsidienne qui manque ici, une ici à enlever, et on est bon. Sauf que bah, je suis quand même très très loin
d'avoir des diamants qui me permettraient de crafter ma première pioche, mais ça pourrait être intéressant de voir ça. Hop là. Bon, et ben génial. Elle commence pas si mal que ça, cette nouvelle partie. Allez, tiens. À table. Et à table. Et on va faire le plein de jaune, de rouge et de bleu. Voilà. Et donc, le premier petit gars. Parce que je vais dire que c'est un gars, j'en sais rien du tout, mais... Oh, on peut faire du violet. Et ben voilà, ça sera pour les parents, en violet. Allez, venez par là, donc, hop. Bon, c'est pas très joli. Est-ce qu'en jaune, c'est plus joli? Viens là. Bon, là, ça se voit pas trop avec sa tronche. On verra quand il grandira. Allez. Au dodo. Et à très bientôt pour la suite de ses aventures.